Mais qu'est-ce que ça veut dire obéir à ses parents Quel est le cadre qu'Allah m'a fixé Comment est-ce que je sais si j'obéis à mes parents ou si je leur désobéis Peut-être que j'ai répondu à mes parents. Peut-être que j'élève la voix sur eux. Peut-être que je leur crie dessus. Peut-être même, Wal'ayyadu Billah, et à notre époque, il n'y a rien d'étonnant. Peut-être même que certains ils insultent leurs parents, voire même ils lèvent la main sur eux ou ils les frappent. Et on entend parfois, Wal'ayyadu Billah, des gens qui vont insulter qui vont tuer leurs parents pour l'héritage. La règle, le cadre, c'est ce verset coranique. Allah Azzawajal, il nous dit, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. » Ça, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. D'adorer Allah et de ne pas lui donner des associés. Et de, de marquer de la bonté envers les pères et mères. « Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, » Si tes parents, ils vont vieillir auprès de toi, ça veut dire quoi Dans ta maison. Dans ta maison, ça veut dire que tu ne les mets pas dans une maison de retraite, comme on fait aujourd'hui. Où dès que les parents, ils sont vieux, on les prend, on les jette dans la maison de retraite. Et on vient les voir une fois dans l'année. Et tout le reste de l'année, on s'occupe pas d'eux. Non. Allah, il te dit, s'ils si, atteignent la vieillesse, auprès de toi. Quand tes parents, ils sont âgés, ils restent chez toi. Parce que quand tu étais petit, ils t'ont pas envoyé dans une pension. Ils t'ont gardé chez eux et ils sont occupés de toi. S'ils atteignent la vie, ne leur fait point fille, ne leur dit pas. Pff, ça, juste le fait de dire mes frères et sœurs. Comprenez bien ce qu'Allah nous demande. Le simple fait de dire à son père Ça, c'est interdit. Que dire de celui qui se plaint et qui dit à son père ou à sa mère Tu comprends rien, mais c'est toujours pareil avec toi, mais ceci, mais cela Allah, il t'a interdit de juste dire. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit Invoque pour tes parents. Ô mon Seigneur, fais-leur à tout de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et il n'y a que lorsque tu seras toi-même un père de famille, ou lorsque tu seras ma soeur, une maman, que tu vas comprendre la valeur de ta mère et de ton père. Quand tu vas voir que la mère, pendant neuf mois, elle te porte et elle subit les difficultés. Elle subit des coups de ta part. Que lorsque tu nais, le jour où tu... Allah t'a mis au monde, ce jour-là, ta mère, elle a l'impression qu'elle allait mourir, tellement les douleurs, elles sont intenses. Et les hommes, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de cela. Il n'y a qu'une femme qui peut l'expliquer. Quand ta mère, pendant deux ans, elle t'a allaité, elle dormait pas la nuit. Pendant deux ans, tu lui as perturbé son sommeil. Quand tes parents, à 4 heures du matin, ils sont levés pour aller travailler, pour t'acheter des vêtements. Quand lorsque tu es malade, ta mère, elle trouve pas le sommeil. Même quand tu as 30 ou 40 ans, si tu rentres à 1h du matin, ta mère, elle t'attend encore pour demander de tes nouvelles ou pour te préparer à manger. Qui va se comporter avec toi si c'est pas ton, ta mère et ton père Qui va se comporter comme ça avec toi Et nous, on est gentils avec nos copains. À n'importe quelle heure, on répond à l'appel de nos amis qui nous demandent de l'aide, on, on les aide. Mais est-ce qu'on aide nos parents Est-ce qu'on est à leur écoute Est-ce qu'on leur donne du temps Est-ce qu'on leur montre du respect Les anciens, ils disaient Zayd al-Abidin, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, il disait On lui disait, toi, tu es quelqu'un de, de très bon avec tes parents, pourquoi tu manges jamais avec ta mère Il dit Parce que j'ai peur si ma mère, elle voit dans l'assiette quelque chose qu'elle a envie de prendre, et si je le prends avant elle, j'ai peur qu'Allah, il compte cela comme la désobéissance. Et il disait Rien d'étonnant, cela. Il disait Ceux qui ont vécu avant nous, ils considéraient comme un manque de respect envers les parents que d'habiter au premier étage et que de laisser habiter les parents au rez-de-chaussée. Regardez jusqu'où ça allait. Allahu akbar. Le simple fait d'être au-dessus de sa mère, au premier étage de sa mère, au rez de chaussée, il considérait ça comme un manque de respect. Et d'autres, chez les sahaba, ils disaient, quand il y avait un scorpion qui est rentré dans un trou, il a mis sa main et il s'est fait piquer. On lui dit, pourquoi tu mets ta main alors qu'il y a un scorpion Il dit, parce que j'ai peur que ce scorpion il sorte et qu'il ne pique ma mère. Regardez le respect. Et regardez aujourd'hui l'attitude des enfants envers les parents. Regardez, ne serait-ce que le regard, les yeux. Wallahi, mes frères. Si nos parents, ils invoquent contre nous, c'est pour nous le malheur dans la vie d'ici bas et dans celle de l'au-delà. Allah, Azzawajal, par l'intermédiaire du prophète, il nous dit qu'Allah a interdit le paradis. Interdit le paradis à celui qui désobéit à ses parents. Donc attention, mes frères, à ne pas causer du tort à nos parents, à ne pas leur manquer de respect, mais soyons plutôt à leur écoute, soyons plutôt bons, miséricordieux pour eux. Et ceux qui doivent le plus profiter de notre générosité, de notre douceur, notre bonté, notre bon comportement, les premiers à, pas, à profiter de cela, ça doit être nos parents. Parce que viendra un jour où ils vont partir, et le jour où ils vont partir, tu vas regretter. Et tu vas dire Ah, si je pouvais encore faire du rêve à mon père, si je pouvais encore faire du rêve à ma mère.